Amen. On nous a prêché, on nous a parlé. 2017, on a poussé des excuses. Amen. On a poussé les raisonnements. Amen. Malgré que la parole de Dieu était prêchée, malgré que la présence de Dieu était là, on a poussé des excuses. Amen. On te dit, jette ton filet. Mais on te dit, avance. Va loin avec Jésus. Expérimente la gloire de Dieu. Amen. Travaille pour le Seigneur. Donne ta vie pour Jésus. Bien-aimé, tu as poussé des excuses. Amen. Tu as raisonné selon toi. Tu veux faire des choses selon toi. Amen. Christ dit à Simon, avance en pleine eau et jetez vos filets. Amen. Ce matin, j'aimerais dire à quelqu'un, avance avec Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Si on veut rester superficiel avec ce Dieu-là, bien-aimé, malheureusement, on ne veut pas vivre les merveilles de Dieu. Alléluia. Amen. Si tu veux rester superficiel avec le Seigneur, tu ne verras que les choses superficielles dans ta vie. Amen. Mais ce matin, j'aimerais inviter une personne. Alléluia. Amen. Parce que la parole de Dieu touche seulement les personnes qui sont sensibles. Si tu es sensible à cette parole-là, bien-aimé, je te dis d'avancer en plein nom avec ce Dieu-là. Je t'invite à avancer en plein nom avec ce Dieu-là. Amen. Amen. Alléluia. Amen. 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 J'ai toujours du mal à comprendre qu'on arrive à arriver en retard à l'église. Ça, j'ai du mal à comprendre ça. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Pour connaître qu'une personne a la crainte de Dieu, quelqu'un qui craint le Seigneur, j'ai du mal à comprendre que tu peux arriver en retard. Ça peut arriver. Ça peut arriver, bien aimé. Mais si c'est récurrent, c'est fréquent, ça devient tout le temps. La Bible déclare, on ne se moque pas de Dieu. Amen. Alléluia. On ne se moque pas de Dieu. Mais cette année 2018, je t'appelle, Christ t'appelle d'aller dans les eaux profondes. C'est dans les eaux profondes que tu vas comprendre et tu vas commencer à obéir à la parole de Dieu. Tu vas commencer à obéir à Dieu. Tu vas commencer à faire les choses, non pas pour plaire à un homme, non pas parce qu'on te dit, parce que tu as compris. Amen. Amen. Au travail, bien aimé, on arrive à l'heure parce qu'on a peur de notre employeur. Alléluia. Amen. Ne craignons pas celui qui a le pouvoir de te licencier. Il faut craindre celui-là qui a le pouvoir de donner l'autorisation pour qu'on te licencie, bien aimé. Amen. Amen. Dieu est capable de faire à ta société la faillite. On te licencie aussi. Amen. Amen. Et on arrive à craindre ça. Mais Dieu, celui-là nous confessons par nos bouches, superficiellement. Cela montre seulement qu'on sert ce Dieu-là superficiellement. Amen. Amen. Ça peut arriver, bien aimé. Tu arrives en retard. Mais si ça devient fréquent, récurrent, bien aimé, c'est pas normal. Amen. Amen. Ce n'est pas normal. Donc je t'appelle ce matin à rentrer dans les eaux profondes avec ce Dieu-là. Cette année 2017, commence à mettre ton réveil, bien aimé. La même façon que tu mets ton réveil pour aller au travail. Amen. Amen. Tu as peur qu'on te donne un avertissement. Tu as peur qu'on te donne des blâmes. Tu as peur qu'on te licencie. Mais le fait seulement que tu n'arrives pas à te discipliner pour arriver à l'heure à l'église, là, on ne se moque pas de Dieu. On ne se moque pas de Dieu. Ce que l'homme aura semé, il le moissonnera. Amen. Amen. Ce que l'homme aura semé, il le moissonnera. Il y a des années passées, bien aimé, l'église était sur Paris. Bien aimé, je me réveillais à 7h, 6h du matin avec mes enfants. On marchait 45 minutes jusqu'à la gare à pied, dans le froid. Bien aimé, tu veux vivre des grandes choses avec le Seigneur, mais toi tu fais des petites choses. Et tu les fais avec négligence. Comment tu veux vivre des grandes choses avec ce Dieu-là? Il n'y a pas de mystère. Bien aimé, il n'y a pas de mystère. Une fois j'ai prêché ici, j'ai dit arrêtez de fatiguer les hommes de Dieu. Et quelqu'un m'a dit non, je lui avais lancé des flèches. Je lance des flèches à personne. Si tu te sens concerné, ça veut dire seulement que tu dois changer. Tu veux que Dieu fasse des grandes choses, mais toi tu fais des petites choses et tu les fais avec négligence. Bien aimé, tu ne vivras pas la main de Dieu. C'est pour ça que je dis arrêtons de fatiguer les hommes de Dieu. Amen. Amen. Rien que par ta façon de faire, par
ton comportement, Dieu peut faire beaucoup de choses. Même si quelqu'un ne prie pas pour toi, même si tu ne pries pas, Dieu peut faire de grandes choses. Amen. Nous, on quittait ici, on prenait le train, on prenait le bus, on prenait encore le train, je me rappelle à l'époque. Amen. Mes enfants pleuraient dans le froid. Ils pleuraient, je me rappelle bien. Et quand mes enfants pleuraient, au fond de moi, je disais, Seigneur, vois ça. Amen. Et quand je priais pour l'étude de mes enfants, je dirais, Dieu, rappelle-toi, souviens-toi de mes enfants. J'allais évangéliser avec mes enfants dans la neige, dans les métros, dans les stations de métro, avec la neige. Je ne disais pas que mes enfants sont petits, ils vont être malades, ils vont... Non, je ne raisonnais pas. Et quand je vais dire, Seigneur, mes enfants, vois mes enfants, Dieu va le faire. Parce que je les ai appris à se sacrifier pour Dieu. Toi, tu ne veux pas te sacrifier. On te confie quelque chose à l'église, tu le fais avec négligence. On ne se moque pas de Dieu. Tu négliges Dieu, Dieu, il faut te négliger. C'est comme ça. Tu négliges le sens de Dieu, lui aussi, il va te négliger. Mais ce n'est pas le message que je vais te dire ce matin. Je t'invite, bien-aimé, que tu t'approches. Tu vas dans les eaux profondes. Ne donne pas des excuses. Ne donne pas d'excuses. On aime bien donner des excuses à Dieu. On est malade, on prend les doliprane le matin, on va aller au travail. Mais on est malade pour venir à l'église, tu appelles. Tu as mal à la tête, pour aller au travail, tu prends un doliprane. Mais pour venir à l'église, non, ce matin j'avais mal à la tête, j'ai dormi. Négligence. La Bible déclare, maudit celui qui fait l'œuvre de Dieu avec négligence. C'est pas moi qui maudis, c'est Dieu qui maudit. Amen. Amen. Hier, je parlais à une soeur. Je lui ai dit que je dormirais par terre, je prierai à Dieu pour que Dieu te maudisse. Il m'a dit, toi aussi, les choses que tu dis, c'est la parole de Dieu. Quand une personne n'écoute pas, il fait les choses exprès. Surtout dans la maison de Dieu, l'église peut... Il peut fermer, il peut faire une prière. Parce que cette personne ne l'écoute pas. C'est biblique. Amen. 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 C'était pour vous encourager, bien-aimés. Si tu veux voir la main de Dieu, ne donne pas d'excuses. Arrêtons de faire les choses de Dieu avec négligence. Avançons, cherchons à connaître, aller dans la profondeur des eaux. Et on a vu, quand ils ont obéi à la parole de Dieu, quand ils ont servi Jésus, quand ils ont jeté leur filet, la Bible déclare quoi? Ils ont eu beaucoup de poissons. Et ce poisson-là, bien aimé, c'est synonyme de bénédiction que Dieu va faire dans ta vie, que Dieu va faire dans ma vie. Amen. Amen. Mais si tu continues dans la négligence, tu vas dire, oh, ce poisson-là n'a pas d'onction. L'homme de Dieu n'a pas d'onction. Mais Dieu voit ta vie. Dieu ne va pas te bénir par rapport à l'homme de Dieu. C'est ça que nous nous trompons au jour d'aujourd'hui. On se trompe par de tels messages. Tu penses que c'est l'homme de Dieu qui fera que toi tu sois béni. Non, c'est toi-même. C'est toi-même. Tu ne fais rien. Tu ne t'investis pas. Tu ne te donnes pas. Tu ne fais rien. Et tu attends. Nous adorons ça. Non, Dieu ne le fait pas comme ça. Sacrifie-toi, bien-aimé. Dans le moment de disette, dans le moment de paix, dans le moment de douleur, bien-aimé, tu sauras quoi rappeler à ce Dieu-là. Amen. Moi, j'ai eu mon permis en un mois. Amen. Amen. Vous pensez que j'étais super intelligente? Non. J'ai eu à rappeler à Dieu. J'ai rappelé à Dieu, bien-aimé, regarde. Je marche pour aller à l'église. Regarde mes enfants. Regarde ceci. Le jour où, à l'époque, on annonçait comme ça que tu as eu ton permis. Quand on m'a dit, madame, c'est bon. Bien-aimé, j'ai pleuré devant l'inspecteur. J'ai glorifié le nom de Jésus. J'ai prié, j'ai dit, Seigneur, je te rends grâce. Et j'ai fait des vœux. J'ai dit, Seigneur, la voiture que tu m'as donnée, le permis que tu m'as donné, ça c'est pour te servir. Amen. Amen. Et je tiens ça. Et je respecte ma parole jusqu'aujourd'hui. Parce que ce Dieu-là, il est fidèle. Mais beaucoup d'entre nous, on prend des résolutions, mais on ne la ramène pas au bout. On prend des résolutions, non, moi, là, cette année, là, il faut que je fasse ça. Mais après, toi-même, tu te relâches. Toi-même, tu te lâches. Toi-même, tu laisses. Même si tu laisses, Dieu, il restera Dieu, bien-aimé. Lui, il est là. Il a tout dans sa main. Il suffit juste qu'il lâche un peu les bénédictions tombent. Mais ta foi, ton comportement fait que la main de Dieu reste fermée. C'est toi-même. Mais ce matin, je te dis, approche-toi. Va dans les eaux profondes. Commence d'abord à craindre le Seigneur. Et ne plus arriver en retard à l'église. Commence d'abord par ça. Il y a certains comportements qui montrent déjà le niveau spirituel d'une personne. Amen. Amen. On parle de bébé spirituel. Comment tu peux accepter tout le temps de rester bébé spirituel? Pourquoi? On t'a mis à la maternelle, toi tu veux toujours rester débutant, CP. Tu es toujours en CP, tout le temps en CP. C'est pas normal.
Il y a des choses qui sont spirituelles, mais il y a des choses qui sont des choses de tous les jours. Là, on ne parle même pas de spirituel. Là, on parle de l'obéissance. On parle du respect par rapport à Dieu. Amen. Avance dans les eaux profondes. Et nous voulons voir. Je veux voir ça. Une personne qui rentre dans les eaux profondes pour aller chercher la face de Dieu. Ne donne pas d'excuses. Je n'ai pas de voiture. Je ne suis pas encore marié. Je n'ai pas encore de papier. Je n'ai pas encore de travail. Bien, mais tu risques de mourir et ne pas avoir tout cela. Amen. La Bible déclare, à quoi sert un homme de ramasser tout ceci? Et puis, après, il va en enfer. Va au paradis, bien-aimé, sans tes papiers. Va au paradis célibataire. Va au paradis sans travail. Et si tu vas en enfer, tu as tout, mais tu vas en enfer, bien-aimé, c'est compliqué. Amen. Amen. Mais Dieu est amour, bien-aimé. J'aimerais t'inviter, inviter toute l'église, bien-aimé, que nous puissions aller dans les eaux profondes. Aller chercher la face de Dieu. Pour amasser tous ces poissons, toutes les bénédictions que Dieu t'a réservées, que Dieu m'a réservées, que nous puissions avoir ça avec allégresse, avec joie. Amen. 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 J'aimerais qu'on acclame pour la parole de Dieu. Amen. Amen. On va louer le Seigneur. Nous allons mettre debout.